Lorsque nous naviguons, nous produisions des milliers de points de données de notre historique aux coquilles, en passant par les données personnelles que nous donnons gratuitement à des tiers pour nous inscrire ou faire des achats. Et bien que ces données soient extrêmement précieuses, nous ne sommes pas payés pour cela. Elles nous sont tout simplement retirées. Avec la naissance de la blockchain, plusieurs experts du secteur ont fait part de leurs préoccupations et se sont penchés sur ce déséquilibre. Les utilisateurs finaux devraient être en mesure de détenir la propriété de leurs données et de les monétiser. Fondée en 2017, Fractal compte plus de 500 000 utilisateurs de Fractal ID et lancera le mainnet du protocole Fractal le 5 octobre. Grâce à le porte-monnaie Fractal ID, leader sur le marché, déjà utilisé par plus de 12 000 utilisateurs au cours des dernières semaines, Fractal donne aux utilisateurs la possibilité de gagner de l'argent tout en naviguant sur le web. Je viens donc de configurer et d'utiliser ce nouveau porte-monnaie Fractal et je dois être honnête, cela m'a complètement époustouflé. J'ai toujours été très ennuyé par les autres sites web qui utilisent mes données et les monétisent. Ce sont mes données, alors pourquoi ne pourrais-je pas en tirer quelque chose? Il y a quelques jours, j'ai découvert par hasard ce portefeuille et je l'ai installé. L'installation a été assez facile. Mais vous pouvez reconnaître dès le début, avec la vérification d'identité, que c'est une chose sérieuse et préservant la vie privée. Mais ensuite est venue la grande surprise. Le portefeuille m'a permis de suivre mon propre historique de navigation et de le stocker dans mon propre appareil. Oui, il n'est pas ailleurs, il est sur mon appareil. Une preuve de l'existence des données est publiée dans la blockchain et je suis donc enregistré comme un mineur de données. Collecte des données utiles, mes données. Pour cette seule activité de collecte, le protocole Fractal, qui est comme l'infrastructure sous-jacente qui rend cela possible, m'a payé jusqu'à 500 FCL par mois. Oui, je suis payé pour posséder mes données. Bien que ce soit déjà beaucoup, l'avenir s'annonce encore plus brillant. À l'avenir, le portefeuille me donnera la possibilité de partager mes données avec des consommateurs de données tels que des sites web, tout en préservant ma vie privée. Cela signifie que ce n'est pas Google qui est payé, mais bien moi. Eh bien, que reste-t-il à dire? Honnêtement, il est temps qu'une telle chose se produise. En tant que consommateur, nous avons été exploités trop longtemps. Nous vous recommandons vivement d'installer votre propre portefeuille et de vous donner des moyens de posséder et de monétiser vos propres données grâce au protocole Fractal.